بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. شيخ سور شيخ فرا، مرحبا بكم. ميرسي دات فيدال ا فوتر ايميسيون افيغ ريليجيو. دكتور جوهري، ميرسي الله يسلمك، ravi toujours d'être parmi nous pour répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Et comme d'habitude, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone pour nous appeler et poser vos questions. C'est le 00-213-21-23-98-91. 00-213-21-23-98-91. Ainsi qu'un email. On reçoit toujours vos emails en direct. C'est avireligieux@gmail.com. Avireligieux tout attaché. @gmail.com. En attendant les appels et les emails, nous entamons les emails qui nous sont déjà parvenus par email, Dr Tchouli. Ils sont nombreux, docteur. Et pour la première question, un père de 82 ans a fait une donation à ses enfants en laissant trois de ses enfants sans leur donner. Oui. A-t-il le droit de le faire selon la religion et la justice algérienne? Si on a le droit de remettre en cause devant ici, c'est-à-dire notre question, on a le droit de remettre en cause devant la juridiction la donation. Merci. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min walaya. Deux volets dans la question. Tout d'abord, la donation, on a toute la liberté de donner sa richesse à quiconque qu'on veuille, mais bien sûr avec des limites désignées par la charia. Pour l'au-delà, le salut de la personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on est demandé, on est invité à faire de l'équité entre nos enfants quand nous partageons nos biens entre ces héritiers-là. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dans un propos très célèbre, a dit ittaqullaha wa'adilu bayna abna'ikum, en le répétant trois fois. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et faites de l'équité entre vos enfants. Bien sûr, il insinuait le partage des biens ou par, bien sûr, donation. Sur le plan juridique, c'est une donation qui est valide. Valide. Mais sur le plan du salut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, et il aura, ce père-là, des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il a choisi ce partage-là? Pourquoi il a lésé quelques-uns de ses enfants? Pourquoi il a choisi de donner à quelques-uns, non pas à quelques-uns d'autres? Dans le jargon des fuqaha, on dit « tasihu qada'an wa yu'thamu diyanatan ». Diyanatan, Allahi barik fik. C'est ça qu'on insinue. Alors, est-ce que vous pouvez remettre en cause devant la juridiction? Avant d'y répondre, nous avons un appel, docteur Touré. Au bout du fil, nous avons Hajar de Tlemcen. Allô? Bonjour. Bonjour. Alaykoum salam wa rahmatullah. مرحبا بكم في داري. الله يبارك ومرحبا بكم انت تاني قاعدنا. يسلمك ربي يخليكم. بون نهضر نخلط عربيه وفرنسي. هضري فرنسي سي 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 فوز افي سي بوسيبل. ما فوازين ما بريي دو فو دوموندي بور لا جينيفا سي ال بو تسبح تسبح. تذكر وتسبح. تذكر وتسبح. وكل يوم كي تجي خارجه من دارها ولا تقرا ايه في الكرسي وهذا هادو سي بوغ لا جنابة بس كان لي مالاد ما باش دوشي très bien. هذا السؤال الاول première question. Deuxième question. Ne pas le faire le matin barque ou la ne peut pas le faire. Elle peut pas le se doucher pendant quelque temps parce qu'elle a été opérée. Ah, très bien. Bon, طالب بتيمو. Très bien. Bon, le deuxième question c'est pour le Eden. Pour l'Aden. L'Aden, oui. L'Aden. L'appel à la prière. Oui, oui, oui. On a l'Aden depuis 40 ans, où il y a un Aden, qui est un Aden, c'est pour 2 minutes. C'est qui est un Aden, où il y a un Aden, il y a 5-6 minutes, où il y a un Aden. Il y a un Aden. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas,
يطول كيفاش بالسبقه؟ اسكو هادي سي زعما سي اوتوريزي مليحه هادي ولا كيفاش؟ فهموني باسكو شويه كلي دي كيل كومونس ال بو فير لا بريير. نعم دي كيل كومونس اذان وي Vous n'êtes pas dans l'obligation de l'attendre jusqu'à qu'il, qu'il finisse. Jusqu'à fin. Eh oui. Bon, j'ai une question. Via chouyadin ou via juridique. Bon, soubrou alia, un amra kbira, fi omri 73 sna, ou diabétique depuis 28 ans, me dire de l'insuline. Rakhet ande binti daifa, دير اوردونونس ورفدت الانسولين من فارماسي واحده اخرى عمري ما رفدت عليها رفدت عليها خطره ولا زوج هادي شحال كي مدت لي الدواء عطاتني دو بواط كي ماركات لي في لاكارت ماركات لي 3 كي جيت هنايا لبلادي ولايه تلمسان كي داروا لاكارت باش يعطوني الدوايا الاخر صابونها مدت لي 3 بور 60 جور سكي في اما بريسك دوبلي لا دوز خاطر بدلت لي لوردونونس وي البروبليم هذه لوردونونس كيف دروك انا غادي نولي في لا ليست نوار خاطر هذيك 3 بواط في 2 موا بزاف عليا ما عرفتش دروك كيفاش ندير معاها اسكو نشتكي بيها جو ني با دو بروف لا بروف اللي كاينه هي لا كارت لا كارت في الميكرو مي كاش كون افو ريبوندر نو حنا لاكن لو بروبليم بارابور حلينا احنا واش تسالينا في هذه القضيه انا قلت نسقسيه من جهه الدين هذه شويه الاستاذ كي نقولوا يحذر الناس يفطنهم كامل بيان سور و دوزيامون لا جوريديك خاطر درك سمعت هي غير جاوب على واحد لا كيستيون قال جوريديك مون كيفا هذه الا كان نقد نشكي بها جو ني با دو بروف جي با دو فوتوكوبي السلام عليكم صحيتو بارك الله الله يبارك فيك السلام عليكم ان مومون مدام ان بتي مو جوست ان بتي مو سي او بوفي كومون ان بتي مو معليش اون بتيت كيسيون هذه درتها بار ايرور سي سا لا ما درتهاش بار ايرور اي بوركوا لا 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 تروازيام بواط انت يا ديتي لا تروازيام بواط ما مدتها ليش دات D'accord, c'est une fraude. Alors, vous avez tout le droit de la poursuivre, on va dire. D'accord. Non, 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 خلاص. Il est quand par erreur, l'erreur est humaine. Voilà. Et il est quand par fraude. Donc, elle continue à le faire. Elle va continuer à le faire avec d'autres patients. Ça veut dire que cette personne est frauduleuse et il faut que quelqu'un lui mette terme voilà, à ces comportements-là inadmissibles. Elle dit serqa, madame, voilà, d'une façon ou d'une autre, c'est une fraude. Bien sûr, bien sûr. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أني السنة الجوالات. شكرا أم هاجر. الله يبارك فيك. يلقاو على خير. مرحبا بك. مرحبا. دونك أون فا تيرميني افيك لو بخوميير كيستيون باس بخاتنا غير حاجة. فوالا. Remettre en cause devant la juridiction cette donation-là, bien sûr que c'est permis, mais après avoir prouvé peut-être que ce père-là a été ce n'est pas si évident parce que c'est une donation. Non, non, mais elle est valide. Elle est valide, d'accord. Mais peut-être qu'il a été influé par, je ne sais pas quoi, peut-être il a perdu... ses facultés mentales, on va prouver cela par le biais d'un médecin, voilà, et peut-être et ce n'est pas le cas. Sinon, c'est ça, sinon, si vous ne pouvez pas justifier cette remise en cause, là, la donation restera toujours valide. Pour Oum Hajar, docteur. Pour Oum Hajar, concernant la Janaba, il y a à peu près deux ou trois choses qui sont interdites à une personne musulmane en état de Janaba, c'est-à-dire de perte de grandes ablutions. Il y a bien sûr le Mus'haf, le Mus'haf,
c'est-à-dire prendre le livre, le Saint-Coran entre ses mains, etc., le toucher et réciter, voilà, bien sûr. Mais réciter sans toucher le mushaf, c'est permis. Oui. Puis il y a aussi entrer dans une mosquée aussi, sauf bien sûr après avoir fait ses ablutions. C'est-à-dire on fait les ablutions sèches pour y rentrer à la mosquée et puis on fait nos ablutions sèches, taïmoum, pour exercer la, mais la prière. Elle fait des évocations, des tasbih. Non, des évocations, à des sa mémoire, des récitations de Coran de sa mémoire, tout ça est permis. Voilà. Très bien. Ouais. La première question, la deuxième question, ça concerne... j'ai oublié. Elle a posé la question concernant les évocations ou le tanaba. Oui. Et deuxième question, c'est ce qu'on a répondu déjà. Peut-être, je ne sais pas, c'est par rapport à... Mais sinon, elle nous rappelle notre sœur. Voilà, où j'ai l'aimé l'aïnsa ou l'aïsou. Non, la trois. Malish, nous, on va y revenir. Nous avons Madame Malika d'Alger. Ah, Adan. Adan. Ah, voilà. L'Adan, pour vous Adan. Avez répondu. Du moment que le muezzin a fait l'appel à la prière, ça veut dire que le temps de la prière est déjà entamé. Ça veut dire que vous pouvez directement faire c'est un votre faux problème, prière. Ça, c'est un faux problème. Voilà. Pour 3 minutes, l'Adan, on ne peut pas attendre 3 minutes. Mais quand même, chacun ses conditions. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est pressé pour sortir, pour aller travailler. Ou là. Du moment que l'appel de la prière a commencé, ça veut dire que le temps est venu. Non, là, tu peux faire la prière en même temps. Je ne peux pas être le flécaire. Là, c'est un autre détail. Là, c'est un autre détail. C'est un autre détail. Il faut attention. Il ne faut pas exagérer un peu. C'est Madame Malika d'Alger, toujours avec nous. Allô? Allô, oui. Salam alaikum. Salam rahmatullah. Salam rahmatullah. L'akh, oustad, habit le sqsi, qu'il y a un des bab, Allah yarhamou, 40 ans de l'imak. Allah yarhamou, salam. Et nous, l'qdaïl, ta'abni amaran, l'qdaïl, ma yuwartouch l'bnat. Ma yuwartouch l'bnat l'warf t'aham. Non, faut pas généraliser, faut pas généraliser, sans citer le... Blam atadri, qal... لا عادة عادة هذه عادة فيها مام فتوى يعني قديمة يعني تايتك اسمح لي ما يدوش البنات يا 40 سنة قسموا الأولاد بيناتهم كي دمون ديت أنا حقي ما عنديش خاطر شحنا محافظين يزوجوا في الدشرة وهذيك هيا كي قلت لهم معطوني حقي خوتي عادوني واحد مات الله يرحمه قعدوا زوج عادوني قطعوني خاطر خواتاتي ما حبوش يدو نهار قالوا لي تدي انت حنا ندو حقنا تدو ندي ما تدوش ما نديش هيا كي بعد 42 سنه باش عطاو لنا شويه خلى بابا ديزيكتا عم داوهم غير الاولاد هيا نهار بديت نواسي انايا برك عادوني قال لك هي مالكه هي اللي مورانا وهي اللي دات وهي هيا مادام انت دومونديتي على حقك قاطعوني ما يكلموني ما نروح ليهم نسلم عليهم ولا يبعدوا عليا يشوفوني يتخباو ما يحبوش يهضروا معايا قاطعوني قطعا تقول درت حاجه ماشي مليحه ولا ما على باليش درك تيك انايا الفتوى هذه ربي يهديهم هما بناتهم كاع يديو فوالا احنا بناتنا ندو فوالا سبحان الله سبحان الله حتى من بنات خويا من ولاد خويا يهضروا على حق باباهم يقولوا بابانا وحنا اللي تاع بابانا قال لك انتوما ما تدوش نهار ديت دو بوا دو ميزور فيا باللي انا اللي حبيت ندي وهما كامل داو من بعد خواتاتي داو ودركا تيك انا اللي مقاطعيني انا اللي معاديني انا اللي ما يكلمونيش ابدا بارك الله فيك وفيك بارك الله يبارك مرحبا بك انا Merci, madame. Avant, toujours, je donne le conseil sur ce cousin. Il faut entamer les procédures judiciaires. Il faut que ça cesse. Et je ne sais pas, ils ont vendu. Avec quel acte, normalement, le notaire doit demander le freda. Oui. Comment ça, au chef, il y a des cas,
Non, je lance un appel, je lance un appel ou la demande. Chef des cas, oui, qui fait bio, comment ils ont vendu, le notaire. Non, il faut mettre en place des mécanismes qui interdisent ou qui. C'est à l'État. Normalement. C'est à l'État de résoudre ce problème-là. Il faut le demander au head notaire de Black. Vous savez, le waqa, voilà, ce qui est réel, appartenant à tout ce qui est immobilier en Algérie, peut-être la moitié est vendue sans papier valable. Ce qu'on appelle juste un papier timbré, etc. Et puis après certains moments. On fait des réformes, on légalise, etc. On règle les problèmes. Et on règle les problèmes par une fuite vers l'avant, on va dire. Voilà. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a al-hiq al-fara'ida bi ahliha. Voilà. Donc, moi j'allais parler juste deux minutes. Je vais vous prendre deux minutes, cher maître. C'est vrai, dans une certaine région, en Algérie, pour des raisons historiques, il y a à peu près 2 à 3 siècles, il y avait une fatwa émise par un ensemble de jurisconsultes. C'était une fatwa, on va dire, entre parenthèses, politique. Et c'est une institution qui s'est réunie et qui a émis une certaine fatwa pour épargner les filles de l'héritage de ce qui concerne les terres, mais les dédommager par d'autres moyens, par choura, comme on appelle choura, quand la femme va se marier, ses parents doivent lui donner de l'or, de l'argent, etc., etc. Et ils font en sorte de lui rembourser ce qu'elle n'a pas reçu comme héritage par rapport aux terres. C'était une fatwa pour cette époque-là. Elle ne reste plus valable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les circonstances ont changé. Les circonstances politiques, sociales, etc. ont changé après 2 ou 3 siècles. C'était pendant l'époque turque, cette époque-là. Et c'était, c'est-à-dire les habitants de cette région-là craignaient l'intrusion des Turcs par le biais du mariage pour s'accaparer des terres, etc., etc. C'était justifié par cela. Mais aujourd'hui, il faut que cette fatwa-là disparaisse parce que les circonstances ont changé. Mais le fatwa, le monsieur, oui, par cette fatwa, mais pour sa fille, voilà, pas de poids, deux mesures. Voilà. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a dit yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, c'est-à-dire qu'il a donné des parts, bien sûr, à vos enfants, qu'ils soient masculins ou qu'ils soient féminins. On essaye, bien sûr, d'informer les gens, de les éclairer dans ce domaine-là. C'est un travail de longue haleine. Et vu, bien sûr, l'attachement à la terre, l'attachement peut-être à l'argent au sein des cœurs de beaucoup de gens, c'est difficile de leur changer ces idées-là. Mais quelqu'un qui est lisé dans ses droits, comme a dit notre maître, il faut qu'il s'engage à faire une procédure judiciaire pour avoir son droit. Voilà. Sinon, avec les méthodes anciennes, vous n'allez rien résoudre. Ça va continuer. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a la loi. Il y a le code de la famille qui gère ce domaine-là, avec bien sûr l'aide de l'application de la part des notaires. On arrivera bien sûr à résoudre beaucoup de problèmes. Et puis, les relations familiales, Allah ghalib, celui qui tient à une fraternité, il va tenir à cette fraternité-là, bien sûr, dans toutes les circonstances. Mais celui qui place le matériel plus haut
plus important que les liens familiaux, bien sûr, il va rompre ses relations de parenté, parce que chez lui, les relations de parenté... C'est son échelle de valeur. Voilà, non, le matériel est son échelle de valeur. Non, ouais. La valeur matérielle est la plus haute. La plus haute, normalement, ce sont les relations. Ouais. Voilà, chacun son échelle. Très bien. Ouais. Est-ce que nous avons du fil, un téléphone? Média, monsieur l'Arbi, allô? Ah, là, c'est dit. Oui. انا اسمع فيك الو السلام عليكم مرحبا شوف يا اخويا الله يسديك انا يا الحصه هذه وانا راني تخزد نشوف التلفزيون راني شفتكم بقيت ان نقول لكم واحد المشكل في مدير الصحه تاع ولايه تنبيه il faut pas non ce n'est pas le اسمح لي non ce n'est pas le هذا حصه مش خاص d'accord il faut aller là où c'est docteur Djouhri. C'est pas fatwa, d'accord, ouais. Oui. Une autre la question, j'ai un petit souci, je viens vers vous pour me l'éclaircir, Inch'Allah. Donc voilà, je me présente, je suis une femme mariée, j'ai 3 enfants. J'habite le centre-ville en étant célibataire. Une fois mariée, je vis dans une autre wilaya de l'extrême-est et de plus dans un village que je n'arrive pas à y rester. Je suis pas heureuse aussi. Oui. Mon mari et moi avions eu une discussion et pris la décision de déménager au centre et me promettant de le faire très bientôt. Et là, il a changé d'avis, il dit que je reste ici, que tu le veuilles ou non, sinon tu pars chez toi. Mais mon père m'a directement dit, tu veux revenir seule, pas avec tes enfants. Wallah, je suis très malheureuse, je ne veux pas vivre... Même rester ici, car ni côté éducation des enfants, ni côté tradition, je n'ai pas où aller. S'il vous plaît, cher Mashaïkhna, respectueux, aidez-moi. J'attends votre réponse qui m'apaisera le cœur et surtout pour trouver une solution. Inch'Allah. C'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme. Et puis elle est entre le marteau et l'on va dire. C'est-à-dire entre un mari qui n'arrive pas à la comprendre ou qui n'essaye pas de la comprendre et de comprendre cherche pas ses la soucis, comprendre. Il ne cherche pas peut-être le bien-être de son foyer. Il n'a pas tenu sa promesse. Voilà, et un père, bien sûr, qui ne veut pas prendre en charge sur son dos sa fille et ses enfants après le divorce. Vous n'avez qu'à patienter, ma sœur. Hein. C'est patience, c'est le médicament qu'il faut. 3 fois par jour, 5 fois par jour, 10 fois par jour. C'est la clé aussi. Et c'est la clé, Inch'Allah, avec bien sûr la discussion. Et de la discussion, Inch'Allah, va jaillir la lumière. Invoquez Allah, qu'il change votre situation et qu'il change aussi le cœur de votre mari pour prendre la décision qui vous... Parce qu'on ne peut pas vous dire prenez telle ou telle décision. Voilà. Et puis, après 3 enfants, voilà, il faut parfois, comme dit un de nos grands maîtres, il faut vivre en martyr parfois. Il faut vivre en martyr, c'est-à-dire tadhahi wa ka'annak shahid. Et parfois pour son foyer, pour ses enfants, pour le bien-être de son foyer, on est demandé à faire des concessions, on est demandé à faire des sacrifices. Il faut assumer. Il faut assumer, mais à ce mari-là aussi de... Inch'Allah, avec le temps. De réfléchir et essayer de changer d'avis. Parce que vivre avec une femme malheureuse, ça veut dire que ça vous affectera un jour. Quelqu'un qui est malheureux ne peut jamais vous rendre heureux. Docteur voilà. Djouhri, nous avons bout du fil, Madame Anita de France. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Voilà, je vous appelle de France. Oui. Je suis une femme de 53 ans. Je suis veuve. Oui. J'étais mariée de mon premier mariage. J'ai eu 5 enfants.
J'ai perdu deux filles, la Hamoum, pendant mon séjour en Algérie. Ils ont eu un accident, ils ont été percutés par un bus, par un car, par vent. Qu'Allah vous console et vous prête patience. La petite, elle avait 16 ans, et Sarah, elle avait 19 ans. Et le chauffeur, enfin le conducteur, c'était mon gendre. Il avait 31 ans. Et aussi a trouvé en ce moment-là, où il y a eu l'accident, j'étais avec ma fille, l'aînée, que son mari qui était avec mes deux filles. Donc, ils sont partis. Ils ont pris la route le matin, ils sont partis, il y a eu l'accident entre Khmis Meliana, je pense. Donc du coup, il y a eu trois décès. Trois décès. Donc ça, c'est un sujet, c'est compliqué. Ça s'est passé en 2010, juste deux semaines avant le mois de Ramadan. Le conducteur, le chauffeur du camion, on lui a retiré son permis, mais au bout d'une semaine, on lui a rendu son permis. Et il m'a... Je lui ai parlé parce que j'avais trop de peine. Il voulait même pas me regarder dans les yeux. Après des mois et des mois, on était en justice. Et à chaque fois, c'est lui qui gagne l'audience. Mais j'ai appris qu'il donnait... Voilà, je vais pas vous dire... Corruption. Voilà. Donc j'ai appris ça. Et finalement, donc, du coup, moi, je veux pas de l'argent, je veux rien du tout. Je voulais que la justice fasse son travail. Oui. Mais ils n'ont pas fait mon travail. Moi, mes filles, elles sont décédées. Je ne les ai même pas vues. Elles étaient dans un cercueil fermé. Je voulais tellement les prendre dans mes bras, les serrer contre moi pour la dernière fois. Mais ils ont refusé. Ils m'ont refusé. J'arrive pas depuis que j'ai perdu mes enfants. Je suis malade, j'arrive pas à dormir, je mange pas, je suis suivie par un psy. Je prends des médicaments, mais c'est des médicaments, c'est juste des calmants, c'est tout. Madame, s'il vous plaît, madame, on a bien compris votre situation, la yarhamoum, la mak. Mais votre question, c'est quoi par rapport à cette situation-là? Je voulais déjà ça, c'est la première question. Je voulais savoir comment ça se passe, la justice en Algérie. Comment ça se passe, la justice en Algérie? Je veux... Oui. D'accord, merci. Comment ça se passe? Bon. Allah yarhamhum d'abord, c'est... C'est pas facile. Ils seront parmi les martyrs de la communauté du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Celui qui est mort dans un accident, dans un tremblement de terre, noyé, brûlé, etc. Ce sont parmi les martyrs. Ils ont le statut d'un martyr auprès d'Allah, inshallah. Auprès d'Allah azza wa jal, ils ont le statut du martyr. Et puis nous partageons votre peine. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut vous consoler, madame. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vu les circonstances dans lesquelles sont morts vos proches, vos filles et votre gendre, puis ce qui est passé après par rapport à la justice, ça veut dire que vous n'avez
pas encore fait le deuil. C'est ça. Et c'est très important psychologiquement pour tourner la page. Parce que cette mère-là, elle est touchée au plus profond elle d'elle-même. Elle a trop refoulé. Bien sûr, parce qu'elle elle n'a pas eu gain de cause par rapport à la justice. Elle n'attend rien de ce qu'elle parle. Elle n'attend pas de l'argent, des dommages, etc. Seulement Que la justice soit faite, on va dire. Et puis, voilà, c'est un appel à tout le monde d'être correct, d'être sadiqin, véridique. D'être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec soi-même. Et de ne pas chercher. D'être honnête. Et de ne pas chercher mille parcours. Lorsqu'il s'agit l'âme, la ruah. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, si vous êtes fautif dans une situation et que vous êtes poursuivi en justice, pourquoi chercher toujours à s'échapper du verdict, on va dire, et avec des moyens qui ne sont jamais propres. Oui, ça existe partout dans le monde, hein. Ça existe partout. Ce n'est pas qu'en Algérie ou là. Ça existe partout. Il y a des avocats, il y a des juges, il y a des. C'est des procédures. La corruption, ça existe dans le monde entier. Mais c'est un appel à chaque personne d'être honnête avec soi-même, d'être propre. Et pour notre sœur. Pour notre sœur, qu'elle évoque Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle invoque, qu'elle essaye de se rapprocher de lui pour apaiser en quelque sorte sa souffrance. Et ce n'est qu'avec cet approchement d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous allez dépasser et surpasser cette situation-là, qui est bien sûr pénible. Et avec les quelques minutes, lorsqu'on vous a entendu, on a été ému. Alors là, vous qui vivez cette situation-là chaque jour, et ces refoulements peut-être de souvenirs, etc., ihtasibihim indallah. Je peux pas comment traduire. Je sais pas comment traduire ce mot-là. L'ihtisab indallah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire épargner vos filles. Chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme une épargne. C'est comme si vous avez fait la compensation d'Allah. Et voilà. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous lave, vous apaise et vous donne de la force pour continuer à vivre pour les autres aussi. Parce que vous avez d'autres enfants qui en ont besoin. Parfois, il y a des parents qui meurent avec la mort de leurs enfants. De quelques-uns de leurs enfants, peut-être pour un fils. Et qui oublie en quelque sorte qu'il y a les autres qui attendent. Voilà. Voilà. Il ne faut pas mourir avec vos filles. Il faut vivre continuer, après. Continuer à vivre. Il faut continuer à vivre au moins pour les autres, parce qu'ils sont toujours là. Ils ont besoin de votre protection, vos conseils, votre amour. Voilà. C'est ce que je peux dire. Inch'Allah. Oui, nous allons vers une toute petite transition. Restez avec nous, mesdames et messieurs.
إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور جولين غفنا En attendant notre appel, quelque ma mère a des problèmes avec sa bru, la conjointe de mon frère. Mon frère et sa conjointe n'ont pas d'enfant depuis 9 ans de mariage. Ma mère doute de la bru, qu'elle reste juste pour profiter de l'argent de mon frère pour s'établir du moment qu'elle n'a pas d'enfant. D'après mon frère, c'est lui qui n'est pas capable d'enfanter. Ma mère n'admet pas ça. Il insiste que c'est la femme qui est stérile. Mais ça, on peut le connaître quand même. Oui. Le quotidien est que ma mère n'arrête pas de l'accuser pour de vol de ces choses pour la conjointe. La conjointe réagit méchamment. Avec le temps, bien sûr, ça devient insupportable. C'est l'effet de la goutte d'eau. Dites-moi comment agir pour les aider. Moi qui vis ici au Canada, donc je ne peux pas être présent tout le temps pour les réconcilier. Merci pour tout conseil. Voilà, c'est à votre frère de résoudre ce problème-là, d'essayer de mettre en quelque sorte une certaine séparation entre ce qui est demandé de faire à sa mère et ce qui est de ses droits aussi envers sa conjointe, envers sa femme. L'une, bien sûr, on est invité à lui faire de la bienfaisance, et l'autre, elle est sous sa charge, sous sa protection, elle est son épouse, voilà. Alors, il doit faire en quelque sorte un certain compromis, on va dire, par rapport à sa mère, et par rapport aussi à sa femme, et essayer de vivre séparément les deux situations. Essayer de protéger, bien sûr, son épouse, à essayer de protéger son épouse. Taqullah fin nisa, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rifqan bil qawarir. C'est-à-dire, on est demandé, on est invité à protéger toujours nos conjointes de toutes choses peut-être qui peut nuire à la stabilité de notre foyer. Du moment que ce fils-là, votre frère, est à l'aise avec sa femme, et puis il annonce que c'est lui qui ne peut pas enfanter, qu'on le laisse tranquille pour vivre, pour vivre l'amour avec sa conjointe là. Il n'y a pas que les enfants qui lient un couple. Beaucoup de choses, mais d'autres quand même, choses docteur, qui sont considérables. Ce qui est insensé, docteur Dory, s'il vous plaît, avec l'avancée de la science et la médecine, de continuer c'est elle qui. Voilà. Mais du moment le fils a avoué. C'est lui le problème. Le problème se situe en lui. Ce n'est pas par rapport à sa femme. Et même si aussi c'est sa femme qui est stérile. Et il a choisi de vivre ainsi. C'est son choix aussi. Subhanallah. Il y a quelqu'un qui aime peut-être sa femme, malgré qu'elle ne peut pas enfanter, il ne peut pas se remarier par amour à elle. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, docteur. Voilà, nous avons un appel. À sa mère de comprendre ça. Là, il faut qu'elle comprenne. Il faut qu'elle comprenne ça. Et nous avons au bout du fil, c'est monsieur l'Habib de Paris. Allô? Allô, oui. Oui, monsieur l'Habib, marhaba. Oui, salam alaykoum. Salam wa rahmatullah. Oui, voilà. Quand on s'allie dans le Maghreb. Oui. Quand on s'allie dans le Maghreb. Ou on s'allie dans le Jahr. Sur l'Oula, sur la Sania. Ou sur la Raka Sania. Quand on s'allie dans le Khafiya, même si tu as dit qu'il est en s'allie dans le Jahr. خرج من الصلاة لا 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 الى ربري لا 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 ليكتور لا ليكتور الى ربري وانا ما حبش الصلاة ماشي الصلاة اللي حبست عاودت لا ليكتور تاع القران لا القراءة ما حبش الصلاة غير عاودت بالفاتحة بالقران من بعد وي وي وي
Voilà, allez, voilà. Exact. Out la lecture. Ouais, voilà. Et la question, est-ce que cela est valable ou pas, valide ou pas? Voilà, voilà. Oui, votre prière est valide, alhamdoulilah. Voilà. Il n'y a pas de souci. Vous avez raté quelque chose de recommandé, on va dire. Et puis, vous pouvez aussi rajouter ce qu'on appelle sujoud sahoul. Bad salam. Ba'd salam, et c'est valable jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, jusqu'à l'année prochaine. Voilà, juste au moment où vous avez les ablutions, vous mettez en direction de la Qibla, vous faites le takbir et vous faites deux prosternations directement. Et après, vous faites un tashahoud, si vous voulez, bien sûr, parce que c'est aussi sujet de divergences entre les avis. Voilà. Vous faites le tashahoud et vous refaites le salam. C'est pour, en quelque sorte, c'est pas pour rattraper, mais quand même pour coudre un petit peu ce qui a été déchiré dans votre prière, qui est toujours valide. Hein. Elle est valide. Elle restera toujours valide. Voilà. Ce qu'on appelle terqi' salat, déjà, terqi' coudre, comme ça. Sejdatayn, c'est pas rak'atayn, sejdatayn, deux prosternations. Il a fallu dire un ba'd salam. Voilà. T'as mis du temps de ba'd salam, il prend votre dîme à ta'ak, dire sejdatayn, hadouma. Voilà, très bien. C'est tout. Oui. Docteur, une question, ça y est. Oui. Très bien. Je suis déclaré séropositif depuis 2012 et je suis sous thérapie. Je n'ai pas pu le dire à mon épouse. Ah non, c'est grave. Depuis, il n'y a plus de rapport entre nous. Suis-je condamnable sur le plan. C'est une maladie qui est transmissible. Il n'a pas de rapport, bien sûr. Mais qui est transmissible, même par peut-être d'autres voies. Oui. Voilà. Alors, il faut avoir la conscience de protéger autrui. Et le courage. Et le courage, bien sûr. De protéger autrui par le fait au moins de les informer. Il faut s'assumer. Allah subhanahu wa ta'ala vous a écrit de subir cela. Par faute ou par erreur, ou Allah, même pas par faute ou erreur, on est personne n'a toujours pu choisir l'épreuve. Voilà. Là, vous êtes sous une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous prête, bien sûr, courage à continuer, mais il faut informer votre entourage, au moins, bien sûr, votre conjointe, proche, votre épouse, parce que il y a des darois et des... Elle peut lui porter aide. Et puis, à côté de vous. Et puis même s'il y a une bonne compréhension entre vous, c'est-à-dire ça va résoudre beaucoup de problèmes très par bien. Rapport à vos rapports de couple. Quotidien. Voilà. Votre quotidien. Dans votre quotidien. Et puis, il y a beaucoup de moyens pour continuer à vivre dans le couple, même en étant malade de cette maladie ou autre maladie. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui, alhamdoulilah. Et essayer en quelque sorte d'épargner cette épouse-là de cette souffrance, peut-être qu'elle vit sans comprendre pourquoi. Depuis 2012, il y a 7 ans maintenant qui se sont écoulés. Peut-être qu'elle se pose beaucoup de questions, pourquoi il n'y a plus de vie conjugale, charnelle, etc., entre nous, etc. C'est son droit de savoir les causes, de connaître les causes, le pourquoi peut-être nous tue parfois, cette question qui nous tourmente. Et puis, « إذا عرف السبب بطول العجب » essayer de résoudre cela par la discussion, par une petite réunion de famille, même entre vous, tête à tête, et d'expliquer cela. Et vous avez tout le droit de continuer à vivre le bonheur, Inch'Allah, au sein de votre couple. Mais soyez seulement courageux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous prête aide. Inch'Allah. Merci, Dr. Jouhri. Salam alaikum. Oui. Je...
puisqu'avec un E de féminin, ouais. Je suis reconverti. Alhamdoulilah. Ma famille est chrétienne. Ma mère a 92 ans. Elle vit encore, et Inch'Allah qu'elle vivra encore plus longtemps. Mais, sa question, quand elle décédera, si je serai parmi les vivants, Inch'Allah, puis-je assister à ses obsèques qui, bien sûr, se passeront à l'église? Barakallahu fikoum. Pourquoi pas? Pourquoi vous n'allez pas assister à ses obsèques? Pourquoi? Qu'est-ce qui va vous interdire cela? Vous devez y assister. Oui, vous devez y assister. Vous êtes toujours sa fille. Même dans l'église. Quand la mère de Asma, des filles d'Abu Bakr Siddiq, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu auprès d'elle. Et Asma était musulmane, sa mère était encore mécréante. Elle avait ce questionnement-là dans sa tête. Elle s'est précipitée d'aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demander est-ce que je vais l'accepter ou pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Ya Asma, sili ummaki »« Ô Asma, faites de la bienfaisance et essayez de garder toujours sili observez la relation d'observer la relation parentale avec votre mère. » Alors, on observe ces relations parentales avec ses proches, avec ses parents, même qu'ils sont d'une religion différente. Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne peut pas, on peut pas leur obéir dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufan. S'il persiste à vous induire dans le docteur Johari, si vous voulez, wa sahibhuma fi dunya, ça comprend d'assister le. Voilà. C'est-à-dire, si nos parents insistent à nous remettre dans la mécréance, on va dire. Là, on ne leur obéit pas. Mais ça nous tout en restant toujours bienfaisant. Envers eux. En restant amis. Très bien, docteur. Voilà, sahib huma, ça veut dire ami. C'est-à-dire, garder les liens d'amitié envers vous, envers vos parents. Et bien sûr, ça les accompagner. Parmi ces darwa. Il faut que vous l'accompagniez, Inch'Allah, pendant ces obsèques-là, même que ce soit dans une église. Vous ne faites pas juste les rites, bien sûr, mais accompagnez votre mère. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'elle ne va pas mourir avant d'embrasser l'islam aussi, elle aussi, Inch'Allah. D'accord, maintenant, donc, docteur Johri, une question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mot de fin, donc on va la laisser... La prochaine fois, la semaine prochaine, maintenant, donc, l'email. Docteur Johri, merci pour votre éclairage, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, d'autant fait l'ayat Allahi wa hifdeh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.